à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. C'est la troisième fois que je filme cette vidéo qui ne s'enregistre pas. C'est génial. Ça fait un certain temps que je suis pas revenue sur YouTube et en plus je reviens pour vous parler d'un sujet un peu ch... Ma L3. J'espère que je vais pas me faire ban ou bip. Enfin, je vais me biper moi-même. Je vais vous parler un peu plus en détail de comment s'est passé ma L3, mais également de mes candidatures en master, de mes retours de master, de ma situation actuelle en fait, et de ma situation l'année prochaine, pour que vous puissiez vous situer dans vos demandes de stage, etc. Vous parler également de mes stages, enfin bref. Je fais un récap de ma L3 pour vous expliquer plus en détail de la manière dont j'ai vécu ma troisième année. Donc comme beaucoup le savent, je suis partie en Erasmus au Portugal, à Lisbonne, pendant 6 mois, de septembre 2021 à janvier 2022, un Erasmus qui s'est très bien passé. J'avais fait une vidéo dessus, donc je vais pas revenir sur le sujet, mais en gros, mon Erasmus s'est très bien passé. Mon organisation là-bas était très différente que celle que j'avais en France. J'étais également stagiaire dans un tribunal, dans un cabinet international. Je me suis beaucoup épanouie durant ces 6 mois. J'ai vécu une expérience très intéressante avec la colocation, mon Erasmus, etc. Et j'ai validé mon année à 15-17. Pas mon année de L3, mais mon semestre que j'ai passé à l'étranger à 15-17, donc ça s'est bien passé. Et je croyais que j'avais une certaine légitimité quand je suis revenue en France et que j'ai été remerciée par le doyen comme les meilleurs étudiants du semestre, enfin avec les autres meilleurs étudiants du semestre, parce que quelque part j'avais, enfin moi j'avais pas lésiné pendant mon Erasmus, enfin j'avais pas l'impression de m'être assise, de n'avoir rien fait et de ne pas avoir mérité en fait la moyenne que j'avais. J'ai une scolarité universitaire un peu compliquée au début, j'ai refait ma première année de droit, j'ai beaucoup travaillé durant ma deuxième année de droit, j'ai pas fait de stage parce que justement je voulais me consacrer davantage à mes études pour bien, pour valider et avoir un dossier correct pour pouvoir passer en L3. Je suis allée en Erasmus un peu par hasard, j'ai posé ma candidature, j'étais pas sûre d'être prise. Et au final, j'ai été pris et c'est une expérience que j'ai super bien vécue, donc je m'attendais pas à de tels retours quand je suis revenue. J'ai passé l'entièreté de mon poste Erasmus avec les autres étudiants à dire que c'était génial et qu'il fallait absolument partir et que ça avait été l'expérience de ma vie. J'avais beaucoup fait de bien parce que j'en avais absolument besoin de partir. En face de moi, j'avais aussi des étudiants qui avaient bossé comme des fous au semestre 5 du coup, qui me renvoyait le fait que quelque part j'étais pas suffisamment légitime. Je n'avais pas le même statut et la même légitimité qu'eux s'ils avaient réussi parce que j'avais été en Erasmus. Donc effectivement le système est très différent hors de France. Donc ça, je suis tout à fait d'accord, c'est tout à fait différent. Simplement, faut pas non plus dire aux gens qui font du Erasmus qu'ils ont pas bossé et qu'ils avaient les orteils en éventail. En tout cas, c'était pas mon cas. Mais je me sentais pas illégitime de mes résultats, j'avais travaillé pour. Simplement, en France, quand je travaillais beaucoup, j'avais pas forcément les résultats. Et là-bas, quand j'ai travaillé suffisamment, bah, j'ai eu les résultats. Et c'était ça la grande distinction. Et au final, je croyais que c'était simplement vis-à-vis de mes autres camarades, enfin, de mes autres amis que j'allais avoir cette impression d'illégitimité ou qu'on allait me faire comprendre que j'avais été légitime. Et en fait j'ai candidaté en master et ça c'est pour ça que je reviens dessus aussi, parce que le S6 est consacré à toute cette recherche, cet effort de candidature pour des masters. J'ai candidaté, pour vous situer, à 24 masters en tout et 3 diplômes universitaires pour l'année 2022-2023 et j'ai déjà reçu 3 refus. On est au début de la fin des candidatures, je ne sais pas comment expliquer ça. Ce que je veux dire, c'est que certaines candidatures viennent juste de fermer, j'ai déjà eu des résultats. Et certaines candidatures n'ont même pas encore fermé que j'ai déjà eu des résultats. 3 universités m'ont refusé ou m'ont refusé indirectement. Mon université, pour le master, parce que je postule en master en droit du numérique, je postule notamment à celui de ma fac qui me semblait plus logique, en alternance, en me disant peut-être à tort que mes résultats académiques n'étaient pas la seule chose qui allait être regardée dans mon dossier, parce que j'ai quand même fait 7 stages et je suis actuellement stagiaire en droit du numérique, que j'ai travaillé à côté de mes études et que mon dernier semestre avait été plutôt réussi. Et j'ai été refusée, mais illico presto, enfin genre 2 semaines après ma candidature, j'ai été refusée. C'était mon premier refus. Donc, en général, je vais vous mettre la lettre de refus ici en cachant les noms. Bon, c'est un refus sur 24, donc vous avez quand même une ambivalence.
Mais ce refus était assez particulier pour moi puisqu'il était un refus dans un master où je pensais avoir davantage de chances que dans d'autres. Déjà parce qu'il était de mon université, on sait très bien que même si elles ne le disent pas, les universités ont tout de même un minimum, enfin un quota minimum. Parce que j'avais eu un bon semestre précédent et que je pensais que ça jouerait en ma faveur, même si j'avais été en Erasmus, je ne crois pas. Je vous en parlerai davantage juste après. Aussi parce que j'avais un CV plutôt fourni et que puisqu'il s'agissait d'un master en alternance, il me semblait logique que, donc un master pratique, il me semblait logique que les notes allaient évidemment être gardées. La construction professionnelle étudiante allait davantage être mise en avant par le directeur de master qui est enseignant également. Ça n'a pas été le cas, je ne suis pas particulièrement déçue, c'est juste un constat et ça explique également et ça vous permet aussi également de comprendre comment fonctionne le tri au niveau des masters parce que sans parler du nombre innombrable d'étudiants qui méritent leur place de master, hein, quel qu'il soit, tout le monde mérite sa place en master. C'est ça qui est toute la complexité de postuler en master. Également, c'est en fait savoir se vendre suffisamment avec nos défauts et nos qualités pour donner envie au directeur de master. Alors qu'au final, la question pour moi est également celle d'un échange avec le directeur de master. C'est pas uniquement qu'est-ce que vous allez apporter à la formation? Normalement, la question devrait être qu'est-ce que vous allez apporter à la formation? Oui, et qu'est-ce que vous, en tant que master, vous allez m'apporter? Qu'est-ce que vous êtes prêt à m'apporter? Pourquoi est-ce que je devrais aller vers vous? Et en fait, cette compétition qu'il y a indirectement entre les étudiants lorsqu'ils rentrent en troisième année, elle est très complexe. Et ça, c'est important de le dire aussi parce que, en fait, on se rend pas très bien compte quand on se lance dans les études de l'énergie qu'on donne à ce que l'on vise et à notre but, et je pense qu'il est important, c'est un aparté, je le finis juste après, de dire que c'est pas de la méritocratie. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que vous n'avez pas de master que vous ne l'avez pas mérité, et ce n'est pas parce que vous méritez un master que vous en aurez un. Quoi qu'il en soit, je me suis donc créé un refus de mon université pour un master en alternance. J'ai également eu un refus de l'université Descartes et j'ai été placée sur la liste, je sais pas trop comment ça enfin, comment on l'appelle, donc je vais l'appeler comme ça, la liste d'attente de l'université du Mans. Alors, pour vous résumer, lorsque vous faites votre candidature en licence 3, beaucoup me disent non, mais moi je veux absolument rester en région parisienne, donc je mets 6-7 masters, c'est tout. Je vous déconseille, surtout les années qui arrivent après moi, donc on est actuellement en 2022, toutes les personnes qui vont commencer à postuler pour les années 2022-2023, peut-être que ça sera mon cas aussi si j'ai pas de master, il est vivement déconseillé de mettre 5 masters sur votre liste. Surtout si vous êtes un dossier un peu particulier comme le mien, qui avait davantage investi votre énergie dans tout ce qui était relié à vos études, mais qui était parallèle à vos études, qui n'était pas directement académique, clairement, nos 11-12 de moyenne ne passent pas. Et donc, quelque part, j'ai investi beaucoup d'énergie dans quelque chose où il n'y a pas forcément eu de retour positif pour le moment. Je vous dirai par la suite si mon parcours un petit peu atypique a su convaincre certains et si ça n'a pas su convaincre du tout. Pour vous reclasser un petit peu au niveau des vœux que j'ai faits, moi j'ai fait un tableau comme celui-là et j'ai classé du coup tous mes vœux par université et j'ai surtout là, bon là c'est un peu fouillis, mais en gros j'ai trié par date de fermeture et ouverture tous les masters qui m'intéressaient. J'ai dans mon cas postulé le premier jour de tous les masters. Pourquoi? Parce que j'avais eu un bon semestre le semestre précédent, que je ne savais pas quand mes résultats tombaient. Ce que je veux dire, c'est que je suis consciente de mon niveau académique et je sais que je n'aurai pas 15. Et c'est également ça ce qu'attendent les masters et je pense que je reviens une dernière fois dessus. Les personnes qui ont des bons résultats académiques sont favorisées. Favorisées, attendez, ça ne veut pas dire qu'ils sont pris nécessairement. Je dis qu'ils sont favorisés face aux étudiants qui ont un parcours potentiellement atypique ou qui n'ont pas eu des résultats particulièrement majeurs de promo, mais qui ont fait plein d'autres choses à côté. Arrêtons d'être défaitistes. Il y a des personnes qui n'avaient pas validé leur semestre 5, qui ont toujours été à 10, qui ont très bien été pris, et d'autres qui étaient à 14, qui n'ont pas été pris. Donc, faut pas être défaitiste. C'est pour ça que je vous dis, mettez tous les masters de France. Vous voulez une discipline, vous voulez le droit pénal, vous mettez tous les masters de droit pénal de France. Soyez prêts à déménager. Ne vous limitez pas à 5 masters.
J'ai déjà 3 refus sur 23, sur 24 candidatures de master et je vais au moins m'en prendre 19 autres. Et je veux dire, j'aurai peut-être une université qui m'acceptera et au final, ça sera pas exactement dans le domaine que je visais. Par rapport à ça, faites attention, ne mettez pas 5 masters. Mon S6 s'est plutôt bien passé, du coup le rythme était très différent. Moi, j'ai repris mes activités professionnelles. Grâce à vous, j'ai eu plein de possibilités professionnelles. Je suis entrepreneur individuel aujourd'hui avec Geomensis Media. Et d'ailleurs, je devrais faire un petit discours de remerciement parce que je sais que ça a été possible parce que vous m'avez donné de la visibilité, vous m'avez soutenu dans mes projets, vous m'avez donné des super idées. Merci beaucoup à vous, c'est le moment de vous le dire. Au final, j'ai eu des contrats intéressants avec des organismes importants juridiquement, notamment l'École nationale de la magistrature. S'il y a un chargé de communication qui passe par ici, merci beaucoup de m'avoir donné ma chance, parce que c'était vraiment très intéressant. Évidemment, ça n'aurait pas été aussi drôle si... Enfin, j'avais arrêté d'enregistrer. J'avais trop de choses dans mon iPhone. Parfait, je peux reprendre la vidéo. Cette année, j'ai vraiment tout misé sur moi. Qu'est-ce que ça a l'air présomptueux quand on le dit comme ça? En fait, je suis super heureuse. Je suis super heureuse d'avoir fait tout ce que j'ai fait, d'avoir accompli tout ce que j'ai accompli. Et je ne l'ai pas fait au détriment de mes études parce que tout a toujours eu un lien avec mes études et j'adore mes études. Et durant ce S6, j'ai continué en fait dans cette lancée que j'avais eue durant toute ma troisième année à m'investir sur plein de choses et investir plein de choses sur moi. J'ai fait plein de découvertes, j'ai rencontré du monde. Je suis actuellement stagiaire en cabinet en droit du numérique, donc entrepreneur individuel comme je vous le disais avec Geomensis Media. Je continue du coup mes projets annexes, je travaille également toujours le dimanche. Et je suis étudiante en troisième année. Malgré le fait que je doute parfois des méthodes que j'ai choisies, si je devais refaire la même chose, bon je réfléchirais. Je réfléchirai beaucoup pour ma première année, mais pour les années qui ont suivi, je referai la même chose. Et je ne veux pas qu'on me laisse croire, et je ne veux pas qu'on vous laisse croire que tout ce que vous êtes, autre que vos études, porte préjudice à vos études. Que tout ce que vous construisez autour, toute la personne que vous êtes, tous les choix que vous avez faits, les sacrifices que vous avez choisi de faire... ou que vous avez subi, sont en vain en fait, s'ils n'ont pas été en relation directe avec tes études, etc. La personne que vous êtes, le professionnel que vous allez devenir, c'est ça qu'on construit pendant les études. Les études ne sont pas, pour moi, une finalité, elles sont un tremplin pour une finalité. La finalité, c'est d'avoir un travail que j'aime, de m'investir avec des gens que j'aime, d'avoir la possibilité de faire des choses que j'aime autour. Et en fait, si toutes ces choses-là, je ne les ai pas investies auparavant, de toute manière, quand j'arriverai dans le milieu professionnel, on ne me donnera pas ma chance. Et c'est ça qui est compliqué avec les études. Et c'est ça qui est davantage compliqué avec la troisième année. Et c'est toute cette décision-là, c'est qu'est-ce que je veux construire, qu'est-ce que je veux continuer à construire et qu'est-ce qui pour moi est important à construire pour le moment en essayant de minimiser l'impact que ça aura sur telle ou telle chose que vous souhaitez devenir. Et c'est pour ça que je vous explique que c'est important aussi de comprendre ce que vous souhaitez et ce que vous attendez du master parce que quelque part, c'est vos choix qu'on va vous remettre en avant. Et c'est la personne que vous êtes qu'on remet en avant quand on vous refuse à quelque chose. Et c'est cette personne-là dont vous devez être fier pour pouvoir y faire face quand on va vous refuser. En fait, c'est ça aussi le refus. Refus de master, mais ça peut être refus pour un boulot, hein, ça peut être refus pour un entretien, ça peut être refus pour une alternance, ça peut être refus pour un stage, ça peut être... En fait, ces refus-là, sur des choses qui semblent si importantes pour nous, elles nous permettent de nous remettre en question. Et la question est-ce que vous êtes d'accord que la personne qu'on remet en question et qu'on remet en face de vous, donc la personne que vous êtes devenue, vous convient. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir durant sa troisième année pour orienter sa scolarité ou sa professionnalisation d'une certaine manière. On va vous demander aussi un master, c'est qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous choisissez là? Est-ce que vous choisissez cette matière parce que vous êtes sûr d'avoir 15? Ou est-ce que vous choisissez cette matière parce que oui, bah peut-être que je ne serai pas suffisamment bon, mais c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me passionne. Ou est-ce que vous choisissez ni l'un ni l'autre et puis vous choisissez plutôt la professionnalisation parce que c'est ça que vous souhaitez? Un bon étudiant académique n'est pas forcément un bon professionnel.
Mais vice-versa, un très mauvais académique n'est pas forcément un mauvais professionnel. Enfin, je veux dire, on est tous bons quelque part, mais c'est cette question-là qu'il faut se poser. Et c'est une question auquel on doit répondre durant sa troisième année, ou en tout cas, on doit essayer et de commencer à chercher ces réponses-là. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi aujourd'hui et que je reviens vers vous pour vous parler de ma troisième année, parce que quelles sont les solutions de backup? Et c'était ça, mon S6. Et c'était ça mon S6, et c'est pour ça que je veux le partager avec vous, parce que c'était tout ça ma recherche du S6. Enfin, j'ai tout fait durant toute ma scolarité, mais particulièrement durant ma dernière année, c'est pour ça que je suis partie en Erasmus aussi, parce que j'en avais besoin, parce que j'avais besoin de ça, j'avais besoin de me retrouver face à moi-même, de me dire à la personne que je suis que j'étais contente des choix qu'elle avait fait, et que j'étais fière et que je les assumais jusqu'au bout, quel que soit comment ça allait être perçu par la personne qui allait me recruter par la suite ou face à certains types de recrutement. Je vous tiendrai évidemment au courant des masters qui m'ont accepté et qui m'ont refusé et bah, potentiellement les masters ou le master qui m'aura accepté, dans quelle discipline, etc. Et de savoir si je valide ma troisième année, j'ai pas encore mes résultats, c'est très stressant. J'espère que cette vidéo, qui est en fait beaucoup plus une vidéo pour moi que pour vous, j'ai l'impression, vous a fait du bien. Vous a posé des questions, vous a interrogé sur les choix que j'ai faits, ou enfin vous a mis en face de moi en tout cas, et que la troisième année soit aussi un moment pour vous poser ces questions-là. En tout cas, c'est les questions que je me suis posées et j'espère vous avoir su vous les partager, ne pas vous avoir démoralisé. Et sachez qu'il n'y a pas de fin en soi, il n'y a pas de choses certaines, il n'y a pas de réponse type. Donc faites simplement ce que vous souhaitez faire. C'est super flou, c'est super théorique et je pensais être beaucoup plus académique quand je vous parlerai de ma troisième année, mais au final non, parce que ma troisième année, ce n'a pas été quelque chose de théorique. Et du coup, je suis ravie de le partager avec vous parce que c'est comme ça que j'ai vécu ma troisième année. S'il y a des personnes qui sont en troisième année ici, n'hésitez pas à me dire comment vous l'avez vécu. Merci à tous ceux qui m'ont suivi et c'était Ifa de Humanities Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. À très vite.